Je crois que j'ai trouvé une solution, puisque je vous disais dans ma précédente vidéo que bah on galérait un petit peu. Hein. Donc là, vous avez le site aussi, hein, volatilityfoundation.org. Pensez à y aller. Alors, je veux une release. Donc ça, c'est la V2. Je veux la V3. La V3 est ici. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a 14 jours, ils ont fait une mise à jour. Hein. C'est un fichier will. Donc on va l'installer avec. Avec Pip. Alors oui, j'ai réinstallé mon Kali. Désolé. Alors qu'on passe quelques petites bidouilles. Ok, donc c'est pareil. Il va falloir exporter le PAF, hein. On va juste voir pour l'instant si ça marche. Alors. Ok. Unexpected situation, volatility forever, automatically unable to stock layer single, not provide. Ok, en tout cas, il se lance. Maintenant, je pense que ça doit être au niveau des plugins. Je sais pas pourquoi. Ok, le vol, par contre, il passe. Le vol, il passe. Donc, écoutez, le vol shell, je sais pas pourquoi il plante, mais en tout cas, vous voyez que maintenant, on a le volatility. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah vous le savez un peu, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se copier maintenant le community avec tous les plugins. Et maintenant, vous aurez, si vous avez suivi mes deux vidéos, hein, vous aurez les deux versions. Vous serez bien. Vous avez maintenant, on va cloner bah, tous les plugins qui nous servent. Hein. Parfait. Voilà, donc là vous avez tous vos plugins.